Attendez, ouais. Allez. Donc, je... Allez. Oh. Non. Je vais tester quelque chose devant vous, parce que c'est vrai que moi, j'ai la sensation vraiment que les gens, ils m'aiment beaucoup, beaucoup, tu vois. J'ai une grosse commu, Insta, enfin, rien par rapport à vous, mais comme 583 000. C'est pas, c'est comme si trois fois la ville de Niort ou un demi-Grenoble. Enfin bon, bref. Tout ça, plus ma carrière, etc., fait que j'ai le sentiment d'avoir vraiment réussi ma vie et j'ai pas envie de foirer ma mort. Donc, j'ai décidé de préparer un peu mon enterrement et j'ai écrit mon oraison funèbre. C'est une très bonne technique, hein, parce que souvent, les plus gros fous rires sont à des enterrements. Donc voilà, donc on se met en situation que... Okay. Je... Alors attends, non, par contre... Il y aura beaucoup de gens connus à mon enterrement, donc Anaïde, peut-être tu peux aller au fond. Après, wow. Non mais tu peux percer, hein, t'as le temps. Voilà. Franck, je suis désolée, mais les chauves, moi je trouve ça rigolo. Et mon enterrement, c'est pas rigolo, donc je te demanderai de pas venir. J'ai hyper le trac, c'est super impudique. On est avec toi, mais bon, Marina. C'est important pour toi, moi. T'inquiète. À tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a activé comme contact dans son répertoire pour obtenir le pupitre des amours? Mais ça veut rien dire. Marina. M-A-R-I-N-A. M comme magnifique. A comme ardent, attachant. R comme radieuse, I comme italienne, N comme nourrissant, ah, il y a deux... Bon, ouais. Nourrissante, en fait, je cherche un synonyme d'inspirante en N, mais je n'ai pas trouvé. A comme attachant, bon, ça fait deux fois attachant, c'est pas grave. C'est un work in progress. Ça marche, ça marche. Non, c'est bien. Par quoi commencer? Ma gorge se serre, mes yeux se brouillent, et je la revois. Putain, pardon, je suis émue pour de vrai, excusez-moi. Après, c'est pas moi qui vais le faire en vrai, parce que je serai morte, donc moi je serai pas... Enfin, mon corps sera là, mais moi j'espère que je serai déjà au paradis des actrices. Donc, je reprends le moment émouvant. Ma gorge se serre, mes yeux se brouillent, et je la revois. Petite boule. D'énergie et de tendresse. Elle part jeune, trop jeune, des suites. Alors là, t'as vu, j'ai mis un blanc, parce que je sais pas de quoi je suis morte. Donc imagine, si c'est maladie, je dis, part trop jeune, des suites, putain de cancer. Ouais, mais putain, c'est un peu vulgaire, peut-être sacré cancer. Sacré cancer, ça fait un peu sacré soirée. Bon, ça, il faut que je trouve. Et si je suis morte, par exemple, d'un accident de voiture, bon, bah là, tu vois, putain d'embrayage, putain de système de frein, putain de... Il faudra se référer au rapport des experts, tu vois. Ça me tue de rire. Vraiment, je tenais ma bouche comme ça. Voilà. C'était très, très, très difficile. Je reprends. Marina, c'est surtout trois dates. 1989. Rate le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. 2017, gagne le burger de la mort à Burger Quiz sur TMC. 2029, remporte le César de la meilleure actrice. Ah ben, enfin, j'ai envie de dire. Très engagée politiquement, elle fera beaucoup pour la France. En 1976, elle crée le RPR. Elle n'a alors que 6 ans et comme tous les enfants à l'époque, elle est de droite. C'est comme ça qu'elle rencontre Jacques Chirac et plus tard, David Douillet. Ah bon? Moi, je sais pas, je suis un peu déçue. Je pensais que j'avais fait plus de trucs pour la France, mais bon. Marina Foïs, dans son sérieux, elle va tirer une pastose comme ça. Tu vas pas t'y attendre et tu peux te la manger en pleine tête. Ça, c'est dangereux. Là, j'aimerais bien que quelqu'un vienne témoigner. Donc, un ami proche. Peut-être... Jérôme, ça t'ennuie de venir faire l'ami proche? C'est proche. On te demande pas... Proche. On te demande... Voilà. Viens. Allez, fais un effort. Qu'est-ce que tu veux que je... Qu'est-ce que je dois faire? On n'applaudit pas pendant les enterrements. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je lis, d'accord. Parce que c'était ça.
Marina, faire rire un enfant, faire rire, peindre des sourires sur les personnes âgées, c'était ça, Marina, un véritable petit pinceau à bonheur. Voilà, super. Maintenant, attends, non, c'est bon, hein. Tu plies ton papier, voilà. C'est parce que c'est fini, tu plies ton papier. Allez, et tu te recueilles, recueille-toi, recueille-toi. Fais une tête de recueillement. Tu sais pas faire le recueillement? J'y suis, là, j'y suis. T'es pas ému ou tu joues mal? Ça me fait beaucoup rire. Et je me dis, non, arrête-toi tout de suite, trop dangereux. Ok, c'est pas mal. Bon, je fais le final, de toute façon, j'imagine qu'il y aura des gens, enfin, j'espère qu'il y aura des gens émus pour de vrai. Je vous demande de lancer la chanson de Mozart. C'est une crémation? Une crème anglaise. Au revoir, Marina. Au revoir, Marina. Au revoir, Marina. Et merci pour tout. Salut, Marina. Bravo! Waouh, wow, c'est bon, c'est trop brillant. Il y a plein de fois où Marina m'a mis en danger. Elle a été très très forte. Bravo! Bravo, Marina!